Est-ce que vous voyez cette main bizarre là? Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Et il était franchement temps parce que ça doit faire 2 ans que vous me réclamez cette vidéo quotidiennement. Donc je suis trop contente de vous la faire aujourd'hui. Vous allez voir, je vous ai préparé un truc plutôt sympa. En fait je ne vous l'ai pas encore préparé mais je sais que ce sera sympa. Ce sera une journée dans mon assiette version rééquilibrage alimentaire. Puisque j'ai été contactée juste avant de partir en Californie en fait par la marque Comme J'aime. Alors si vous ne connaissez pas Comme J'aime, ils ont quand même déjà une très grande réputation puisque vous les trouvez dans des publicités à la télé et ce genre de choses. Comme J'aime, c'est un programme de rééquilibrage alimentaire avec des témoignages. Vraiment, j'ai vraiment regardé le site, regardé les témoignages, etc. Avec des témoignages assez impressionnants. Donc avant toute chose, avant de vous en parler, etc. Pourquoi est-ce que moi je l'ai fait? Parce que du haut de mes 48 kilos, franchement, enfin, je faisais 49 quand je suis revenue de Californie, je vous explique ça après. Du haut de mes 48 kilos, j'ai absolument pas besoin de maigrir, je ne souhaite absolument pas maigrir. C'est vraiment pour tester le concept, vraiment le goût des plats, le côté pratique, et c'est une des grandes partie en fait qui a fait que j'ai eu très envie de tester ce programme là. Parce qu'en fait, c'est vraiment hyper pratique pour les gens comme moi. Alors je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne sais pas cuisiner. Quand je fais des pâtes, je crame la baraque. À l'intérieur, vous avez tout, je vais vous montrer juste après. Vous avez absolument tout, tout est répertorié par couleur. Vous avez le repas du matin, le repas du midi, la collation et le repas du soir. Et vous avez juste à rajouter le laitage, ce qui est normal, et les fruits. Donc fromage blanc, lait et fruits, c'est tout, c'est complet au possible, ça peut pas être plus complet que ça. En fait voilà, ça se présente comme ça, vous avez du jour 1 au jour 7. Moi aujourd'hui j'en suis à la 3e semaine, et justement au jour 1 de la 3e semaine, et vous avez le petit déjeuner, les muesli sont en bleu et au milieu du package. Pour le déjeuner c'est en jaune et c'est à gauche. Pour la collation c'est une portion de fruits frais ou une barre, enfin bref je vous montre tout ça au fur et à mesure. Et pour le dîner c'est en rouge, c'est super pratique, c'est simple, enfin vraiment j'ai rien à redire là dessus. Et je vais arrêter de tripoter mon menu dans tous les sens. Enfin voilà, sur le site il est vraiment indiqué que en moyenne il y avait le premier mois 5 kilos de perdu et sur 3 mois 11 kilos. Donc voilà. En gros, je vous mettrai de toute façon le lien du site en barre d'infos si jamais vous voulez y jeter un œil. Et voilà, donc moi du coup, j'avais pris 1 kg pendant mes vacances, la première semaine je l'ai reperdu. Vous avez des coachs à votre disposition qui vous appellent voilà, dans le quotidien de ce programme, qui sont là pour vous motiver, mais aussi si jamais vous avez besoin de conseils, notamment lorsque vous avez un repas au restaurant. Vous voyez, par exemple, ça c'est super, vous avez un suivi également, c'est super important, vous avez des coachs à votre disposition. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec une journée dans mon assiette, vous montrer un petit peu tout ça. J'ai mis tout ça dans de la jolie vaisselle et tout, je me suis régalée. Donc si jamais vous aimez ce type de vidéo, pouce en l'air, je vous laisse avec la suite. Je commence tout de suite par vous montrer vraiment la semaine en images avec tout ce que contient donc cette boîte. Donc ici, vous avez le menu avec tout ce que vous avez à prendre sur 7 jours. Et ça, c'est vraiment génial. Ça permet vraiment de manger les bonnes quantités au bon moment. Donc ici, je vous montre tous les plats du midi. Je continue dans cette boîte là, il y a le muesli aux 3 chocolats, il est genre trop bon. Ici vous avez tous les potages, les entremets vanille, crème brûlée et chocolat, les 2 purées légumes verts et potirons, et les 4 compotes. Ensuite ici, alors j'en suis complètement dingue, c'est les barres au chocolat, au lait, pralinées, c'est vraiment trop bon, elles sont trop bonnes, je les adore. Et ici donc à droite, vous avez tous les plats du soir, vous voyez que c'est hyper bien organisé. Dans cette boîte là, vous recevez vraiment un concept hyper bien organisé à la maison en fait, tout simplement. On commence tout de suite par le petit déjeuner, mon repas préféré, je ne peux pas le rater, jamais, je ne rate jamais un petit déjeuner. Donc je fais un peu ma vie dans la cuisine, hein. Et j'avais mis la musique à fond en plus, donc je me régalais. Donc je me sers mon muesli, je vais me servir ensuite ma portion de fruits. Avec le muesli vous pouvez également prendre du lait, les quantités sont indiquées, mais moi je n'aime pas ça en fait, donc je n'en prends pas. Mon fromage blanc 3%, et je vais m'installer confortablement avec ma musique à fond encore, hein. Donc je mets mon muesli dans mon fromage blanc, j'ajoute aussi des groseilles, également des framboises. Et le mélange est tellement bon, franchement je me régale, le muesli est vraiment délicieux, donc c'est parfait, c'est génial.
continue avec le déjeuner, donc le repas du midi. Hop, je regarde ce que je vais manger ce midi-là, et c'était donc le poulet basquez et son riz. Il est super bon ce plat-là, vraiment je l'adore, comme tous les autres, ce sont vraiment de vrais plats quoi en fait, c'est vraiment des vrais plats. Je sais pas comment dire ça autrement, c'est vraiment bon, ça a vraiment du goût. J'ai jamais faim quand j'ai terminé mon repas, mais alors ça ne m'est vraiment jamais arrivé, même quand j'avais une faim de loup, les quantités sont vraiment parfaites. Du coup, bon, je fais encore ma vie hein, en sentillant un petit peu dans tous les sens. Je suis comme ça tout le temps, vous me le dites souvent, mais c'est vrai que je suis une pile électrique. Du coup, avec, c'était une compote de poire et un fromage blanc 3%. Alors, magie! Je sors mon plat et j'ai donc mis tout ça dans une assiette. Je vous recommande toujours de faire ça. Mettez ça dans de la jolie vaisselle. On fait ça quotidiennement, donc pourquoi ne pas le faire même avec nos plats préparés? C'est bien plus sympa comme ça. Du coup, ben là, je déguste. Hein. Que dire de plus? Je mange tout simplement avec de l'eau fraîche. J'aime trop boire de l'eau fraîche. J'adore ça. Ensuite, la collation avec cette barre, là, elle est trop bonne. Une suffit largement, ça dépend un peu du rééquilibrage alimentaire, enfin ça dépend un peu de votre programme, mais c'est une ou deux barres. Pour ma part, une me suffit, mais largement, elle me cale à fond, elle est trop bonne. Le chocolat autour, j'en raffole. De toute façon, je suis une dingue de chocolat, vous le savez, et je bois ça avec un verre d'eau fraîche encore une fois. On continue avec le dîner, donc j'ouvre ma boîte, patati patata, je vous montre un peu tout ça, je regarde mon menu, et donc c'est un potage. Vous avez également le bœuf avec des petites pommes de terre et des carottes absolument fondantes, c'est trop bon, c'est un de mes plats préférés. Et encore une fois, un fromage blanc 3%. Donc je vais prendre un peu ma vaisselle, hein. Comme je vous disais, je mets tout dans de la vaisselle. Il suffit de soulever un petit peu l'opercule en fait avant de le mettre 2 minutes au micro-ondes. Je vais faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Et ensuite, je vais mélanger mon petit sachet de potage dans l'eau. Alors faites pas comme moi, mettez pas tout d'un coup. Faites-le au fur et à mesure, je sais pas ce qui m'a pris là dans la vidéo, mais normalement je le fais vraiment au fur et à mesure en ajoutant mon potage petit à petit dans mon eau chaude. Et je vais déguster, je suis complètement dingue de ce plat. La viande est super bonne et les patates et les carottes, comme je vous le disais, sont fondantes, donc c'est trop bon. Et je bois mon potage en même temps et je vais ensuite manger tout simplement mon fromage blanc. Et j'en ai donc terminé. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo, une journée dans mon assiette, on va apprendre à parler. Il y a une bête au plafond? Non? C'est fissure. Ah! En gros, pour résumer, c'est simple, c'est pratique et c'est bon. Donc voilà, il y a vraiment tout de bon. J'étais très contente de tester. Tester et approuver du coup. Je vous mets le lien du site comme j'aime dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez aller y jeter un œil. Et surtout, je vous mets également le lien de mon Instagram en barre d'infos puisqu'il va y avoir un concours. J'étais trop contente quand la marque m'a proposé également de faire un concours parce que ça correspond à tout le monde quoi. Autant une personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire qu'à une personne qui veut perdre du poids. Du coup, c'est génial. Voilà, personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire, apprendre à mieux manger, des bons plats, aux bonnes portions, au bon moment de la journée. C'est voilà, ça correspond à tout le monde en gros. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style-là. Et moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça fait tellement longtemps que vous me la demandiez, c'est fou. Et du coup voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao! Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul décoration et je suis la plus heureuse du monde de faire cette vidéo là puisqu'en ce moment je suis à fond décoration.